Alors nous avons eu le plaisir de signer une troisième phase avec le groupe Stellantis, qui est l'ancien PSA. Il faut savoir que nous avons signé le 19 juin 2015 avec PSA, sous la présidence de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, une stratégie qui était importante, avec un objectif de 200 000 véhicules, 100 000 moteurs, 1 500 ingénieurs et techniciens supérieurs. Ces objectifs, qui étaient prévus pour 2023, ont été réalisés très largement, dépassés en 2020. Donc nous avons décidé avec Stellantis d'ouvrir une nouvelle phase qui est beaucoup plus ambitieuse, et non plus de passer, en 2015 nous avions un objectif pour 2023 d'atteindre 600 millions d'euros d'achat de pièces fabriquées au Maroc. Et bien comme ça a été dépassé déjà en 2020, nous avons créé un nouvel objectif qui est d'atteindre 2,5 milliards en 2022 et 3 milliards d'euros par an de pièces fabriquées au Maroc pour l'export en 2025. C'est des objectifs colossaux. Nous avons aussi un objectif de 3000 ingénieurs et techniciens supérieurs travaillant dans le cadre de cet écosystème pour PSA. C'est colossal. Je rappelle que le véhicule électrique AMI, qui est exclusivement fabriqué au Maroc, à Kenitra, aujourd'hui est vendu à travers le monde. C'est un véhicule 100% électrique conçu et réalisé au Maroc. Nous avons donc un objectif d'avoir un nouveau véhicule qui, au moment où nous avons négocié cet accord et aujourd'hui, entre-temps, nous l'avons déjà lancé, qui est un véhicule électrique Opel. Donc c'est un objectif important que nous signons aujourd'hui avec Stellantis, permettant d'accompagner le Maroc pour atteindre ce que nous sommes fixés, c'est de devenir la plateforme, je répète, la plus compétitive au monde pour la fabrication de voitures. C'est totalement assumé. Je sais que ça fait peur à bien des gens. Elle est totalement assumée entre Stellantis et nous. Nous travaillons pour que le Maroc, et nous sommes troisième dans le monde, nous voulons être la plateforme la plus compétitive au monde, avec un avantage additionnel, c'est qu'elle soit décarbonée, c'est-à-dire fabriquée avec de l'énergie renouvelable. Nous avons la chance que Sa Majesté le Roi avait, il y a bien longtemps, orienté la production de l'énergie renouvelable au Maroc. Elle est disponible aujourd'hui, nous l'orientons vers l'industrie, et en ayant une plateforme la plus compétitive au monde et qui soit décarbonée, eh bien, nos chiffres d'export et de production seront extrêmement importants. C'est fondamental pour nous, c'est fondamental pour notre jeunesse, et nous n'allons pas baisser les bras pour y arriver, Inch'Allah. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour la signature du contrat. C'est le troisième volet du contrat de l'écosystème du groupe Stellantis au Maroc. Le premier volet date de 2015, le 19 juin 2015, avec Sa Majesté le Roi. Les objectifs qui avaient été définis à l'époque ont été dépassés. Et aujourd'hui, on se réunit pour un troisième volet où, après avoir dépassé les objectifs, nous accélérons avec des objectifs beaucoup plus ambitieux. Donc je vais passer en revue ces objectifs. On avait un objectif de 1 500 ingénieurs et techniciens. Aujourd'hui, nous prenons un objectif de 3 000 ingénieurs et techniciens. Ce n'est pas uniquement de la création d'emplois, c'est aussi développement de l'expertise au Maroc. Nous donnons cette année 40 000 heures de formation à ces 1 500 ingénieurs et techniciens. Et ces ingénieurs et techniciens sont capables de faire un véhicule complet sur une plateforme existante qui est le plus haut niveau d'expertise que nous attendons d'eux. Le deuxième volet, c'est la partie fabrication. On a atteint les 200 000 véhicules avec 3 ans d'avance en 2020 au lieu de 2023. Et nous avons lancé 2 véhicules qui n'étaient pas prévus, qui sont des véhicules électriques, l'AMI et l'Opel Rox, qui sont fabriqués aussi à Kenitra. Sur les achats, nous avions un objectif de 600 millions d'euros. Aujourd'hui, en 2020, aujourd'hui, nous prenons un objectif de 2,5 milliards en 2023 et de 3 milliards en 2025. Ces objectifs sont très importants et traduisent d'une part la confiance que nous avons dans la performance marocaine, d'autre part, le fait que nous travaillons avec le Maroc pour ramener la performance au meilleur niveau mondial.
et nous nous engageons en conséquence. Le dernier objectif, c'est que nous développons l'intégration locale au Maroc. Nous étions à 60% au démarrage de la 208. Nous voulons atteindre 80%. Et ce n'est pas que de l'intégration de niveau 1. Nous travaillons aussi sur les matières, sur les rangs 2, sur les rangs 3. C'est ce qui nous permet de développer dramatiquement le niveau du chiffre d'affaires au Maroc. Je vous remercie.